Allons-y d'un exemple maintenant pour regarder les notions de coordonnées à l'origine. Alors, on dit, voici l'équation d'une droite sous sa forme générale. Donc, on ne parle pas ici de y égale à x plus b, mais de a fois x plus b fois y moins c égale 0. Et on me demande de trouver l'abscisse à l'origine. Donc, quand on parle d'abscisse à l'origine, on parle de la valeur de x lorsque y vaut 0. C'est-à-dire remplacer la valeur de y par 0 dans mon équation. Alors, on prend notre équation sous la forme générale. 5x plus 25y moins 30 égale 0. Je remplace y par 0. Donc, 5 fois x plus 25 fois 0 moins 30 égale 0. Donc, le 25 fois 0 ici, ça va me donner 0. Donc, ça annule. Il nous reste donc 5x moins 30 égale 0. Et je vais isoler mon x dans mon équation. Donc, pour enlever le moins 30, je vais faire plus 30. Plus 30 de l'autre côté. Donc, ici, moins 30 plus 30 s'annule, me donne 0. Il me reste 5x égale 30. Donc, divise par 5, divise par 5. 5 divisé par 5 me donne 1, donc ça simplifie. Il me reste, j'écris divisé par x, divise par 5 de chaque côté. Donc, en divisant par 5, 30 divisé par 5, ce qui me fait 6. Donc, x égale 6. Ce qui fait que l'abscisse à l'origine sera 6. Donc, la coordonnée de l'abscisse à l'origine sera 6, 0. Donc, la valeur de x lorsque y vaut 0. Donc, ici, on parle de 6 comme abscisse à l'origine. Maintenant, deuxième question, on parle de l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le contraire, c'est-à-dire la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, ça implique de remplacer x par 0 dans mon équation. Alors, on prend encore une fois notre équation sous sa forme générale. 5x plus 25y moins 30 égale 0. Sauf que cette fois-ci, c'est le x qui va être remplacé par 0. Donc, 5 fois 0 plus 25y moins 30 égale 0. 5 fois 0, ça me donne 0. Donc, il me reste 25y moins 30 égale 0. Et je vais utiliser mes techniques d'isolation pour pouvoir isoler mon y. Donc, pour enlever le moins 30, plus 30. Si je le fais d'un côté, je vais le faire de l'autre. Donc, moins 30 plus 30, ça fait 0. Ça se simplifie. Donc, 25y égale 30. Je vais diviser par 25 pour enlever le 25 qui multiplie le y. Donc, 25 divisé par 25, ça me donne 1. Donc, ça se simplifie. J'aurai donc y égale 30 25e que je peux simplifier par 5 au numérateur ou au dénominateur. Donc 30 divisé par 5, ça fait 6. Et 25 divisé par 5, ça fait 5. Donc 6 cinquièmes. Ce qui fait que la coordonnée de l'ordonnée à l'origine sera 0. 6 cinquièmes, ce qui fait que l'ordonnée à l'origine est de 6 cinquièmes. Dernière question, on s'intéresse à la pente. Donc, la pente, on veut savoir la valeur de A. La valeur de A, mais, donc, sous sa forme canonique. Donc, pour trouver la pente à partir de la forme générale, on devra transformer
sous sa forme canonique, c'est-à-dire la forme y égale ax plus b. Alors, pour ce faire, on devra isoler le y. Dans l'équation. Donc, j'ai 5x plus 25y moins 30 égale 0. Donc, pour retrouver la forme canonique avec y isolé, on va travailler avec notre expression ici. Donc, on va devoir se débarrasser du 5x, du moins 30 et du 25 qui multiplie moins y. Stratégiquement ici, on va se débarrasser tout d'abord du 5x. Donc, pour enlever le 5x, je vais faire moins 5x, moins 5x de l'autre côté de l'égalité. Donc, 5x moins 5x qui fait 0, s'annule. Il me reste 25y moins 30 égale moins 5x. Ensuite, je vais me débarrasser du moins 30, donc plus 30, plus 30. Ce qui fait que moins 30 plus 30, ça fait 0. On simplifie, donc 25y égale moins 5x plus 30. Ensuite, donc, il nous reste maintenant à se débarrasser du 25 qui multiplie le y, donc divisé par 25, divisé par 25. J'ai donc y égale moins 5 25e x, donc le 25 divise le moins 5x, et le 25 divise le plus 30. Donc, il me reste à simplifier mes fractions. Donc, y égale moins 5 25e, donc moins 1 5e, parce que ça se simplifie par 5 au numérateur et au dénominateur. On peut aussi utiliser la calculatrice pour simplifier avec la touche ABC. Si vous avez de la difficulté, demandez à votre enseignant. Et ici, 30 25e peut se simplifier par 5 au numérateur ou au dénominateur. Donc, 6 5e. Alors, la pente ici, donc la pente, c'est le coefficient du x dans la forme canonique, donc le nombre devant la variable x. Donc, la pente ici sera donc moins 1 cinquième. Maintenant, autre élément intéressant à regarder, ben, sous sa forme canonique, ici, on a l'ordonnée à l'origine, le B. Donc, si ici c'était le A, ici on a le B. Donc, si on remarque, ici, 6 cinquième, si je reviens juste auparavant, qu'est-ce qu'on avait comme ordonnée à l'origine? 6 cinquième, ce qui concorde. Donc, ça pourrait être aussi la stratégie pour pouvoir retrouver l'ordonnée à l'origine, transformer la forme canonique pour pouvoir retrouver l'ordonnée à l'origine. Mais ici, c'était la pente qu'on cherchait, donc moins 1 cinquième de pente.